Bienvenue à cette conférence co-organisée par le CNRS avec et au Musée des Confluences, le merveilleux musée lyonnais que beaucoup d'entre vous connaissent. Merci hein, à l'équipe du musée pour la collaboration et l'accueil de cet événement. Cette conférence est organisée à l'occasion d'une sortie de livre qui s'appelle Étonnante chimie. C'est un livre où on peut découvrir les découvertes justement et les promesses du XXIe siècle dans ce domaine. Il est paru il y a quelques jours chez CNRS Éditions. On s'est aperçu en fait avec cet ouvrage qu'on pouvait partir à la fois très loin et dans notre environnement proche sur plein de sujets, de la compréhension des océans à l'élaboration des parfums, de la conception de nouveaux matériaux à l'exploration des nuages interstellaires. On va aller jusque-là, hein. La chimie est vraiment partout. Alors, je vous propose d'embarquer tout simplement pour un voyage étonnant, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et pour faire ce voyage, j'ai à mes côtés Claire-Marie Pradier. Claire-Marie Pradier, qui est directrice de recherche émérite au CNRS et conseillère scientifique auprès de l'Institut de chimie du CNRS. Et vous avez dirigé cet ouvrage à votre droite. Merci pour votre présence. À votre droite, David Farussin, directeur de recherche CNRS, lyonnais de l'ÉTAP, à l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement de Lyon, et spécialiste d'un domaine qu'on découvrira tout à l'heure, classé parmi les 10 plus grandes découvertes en chimie qui vont révolutionner notre monde. Je fais un petit peu de teaser pour tout à l'heure, mais avant cela, sachez que dès maintenant, vous pouvez réagir sur le chat. Tout à l'heure, je relayerai vos questions auprès de nos deux intervenants. Vous pouvez poser vos questions, faire vos commentaires, etc. La conférence, sachez-le, sera ensuite disponible en replay sur les comptes Facebook et YouTube du Musée des Confluences. Je vous souhaite un excellent moment. On se retrouve tout à l'heure et je cède la parole à Claire-Marie Pradier. Merci beaucoup, Sébastien. C'est un grand honneur pour moi ce soir de pouvoir vous présenter quelques histoires de ce livre Étonnante chimie, quelques histoires qui relatent des avancées récentes de la chimie qui sans doute vont vous surprendre. Peut-être ne savez-vous pas qu'on peut faire des lunettes à partir de déchets ou réparer le corps humain. Et tout ça, ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres. Je vais vous parler aussi de quelques chimistes étonnants, souvent connus pour un autre profil que celui de chimiste. Je suis ce soir avec David Farussin, qui est un des chercheurs qui a contribué à ce livre et qui va nous faire partager une expérience. Et d'ailleurs, je vais lui donner très très vite la parole pour commencer une petite expérience avec vous. Alors, vous allez me dire pourquoi en faire un livre? Eh bien, parce que la chimie est au cœur de notre vie. Elle en est d'abord à l'origine. Et on va essayer de vous montrer comment la chimie a permis de mieux comprendre l'origine de la vie et d'échafauder quelques hypothèses. Elle nous permet d'être sur les traces de notre passé. Elle permet de prolonger la vie en soignant, en imageant, en donnant des images du corps humain et en soignant. Elle améliore la vie au quotidien. Elle nous promet un environnement plus durable et des énergies plus propres. Elle nous accompagne au quotidien, vous le verrez. Et puis enfin, elle nous fait découvrir quelques hommes et femmes extraordinaires. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous emmener très loin dans le temps et l'espace, je vais donner la parole à David quelques secondes parce qu'il tient absolument à vous faire partager ses expériences. Expériences, vraies expériences de chimie. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à vous rendre dans votre salle de bain ou dans votre cuisine. Revenez, revenez après quand même, hein. Donc, vous pouvez faire couler un petit peu d'eau et vous mouiller l'avant-bras avec un petit peu d'eau tiède, un petit peu d'eau chaude, sans vous brûler. Puis vous agitez très vivement le bras et vous allez avoir une sensation. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de chatter, d'écrire vos sensations dans le chat. Et puis, tout à l'heure, on reviendra dessus et on vous expliquera pourquoi et à quoi ça peut servir. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure, David. Donc, je reprends en vous disant donc que la chimie nous permet d'aller dans l'espace, notamment en synthétisant, en imaginant et en synthétisant des carburants pour nos fusées. Elle nous permet d'analyser des œuvres du passé et de mieux comprendre la vie de nos anciens. Et puis, elle nous permet d'observer notre planète bleue. Et je vais vous emmener très loin et très loin dans le temps et dans l'espace interstellaire.
L'espace autour des planètes et qui est un milieu invivable, invivable pour nous parce qu'il est très très pauvre en molécules. Hein, il contient seulement 10 puissance 7, c'est-à-dire 10 millions de molécules par centimètre cube, alors que notre atmosphère en contient 10 milliards de milliards par centimètre cube. Un milieu invivable aussi parce qu'il est très froid. Et pourtant, les chimistes ont pu analyser ce milieu et y détecter des types de molécules très simples, mais quand même 210 types ont été identifiés. CO2, de l'eau, de l'hydrogène qui, d'ailleurs, on a pu identifier qu'il se formait sur les poussières de glace interstellaire, qui ont un rôle essentiel pour la formation des molécules dans le milieu interstellaire, mais toujours pas d'acides aminés, dont on sait qu'ils sont les constituants du vivant, et toujours pas de vie. Alors, un peu plus tard dans le temps, donc on arrive à 4 milliards d'années, c'est quand même encore il y a longtemps, la formation de la Terre et l'apparition de la vie. L'apparition de la vie, ça veut dire apparition de molécules complexes constituées d'acides aminés ou de sucre. Et de façon absolument remarquable, toutes ces acides aminés sont de même chiralité. Chiralité, un objet chiral, c'est un objet dont on ne peut pas superposer l'image dans le miroir, enfin son image par un miroir. Et on a pu mettre en évidence que tous les acides aminés sont d'une forme chirale, la forme ce qu'on appelle l'évogyre, et tous les sucres qui constituent l'ARN, l'ADN, on parle beaucoup d'ARN en ce moment, sont de l'autre chiralité. Alors pourquoi ? Les chimistes se sont posé la question, est-ce que c'est lié à ce qu'il y avait, ce qui était présent déjà dans le milieu interstellaire ? Et là, personne n'a pu identifier de molécules chirales dans le milieu interstellaire, ni de matériaux sur lesquels on aurait pu catalyser, former de ces liaisons pour aboutir à ces molécules complexes, mais non. En revanche, des chimistes ont essayé de modéliser l'apparition de la vie, ou du moins l'apparition de ces molécules chirales, en soumettant un matériau qui modélise une poussière interstellaire, une poussière de glace, à un rayonnement qui, lui, était polarisé. Et on a pu ainsi mettre en évidence une sélectivité vers la formation d'acides aminés d'une seule forme chirale, ou alors des sucres d'une seule forme chirale. Et donc on peut se poser aujourd'hui la question, et donc si l'apparition de la vie ou si l'apparition de ces molécules du vivant était un résulté d'un processus chimique, une réaction sur les poussières interstellaires sous rayonnement polarisé. La question reste encore un petit peu ouverte, mais en tout cas la chimie propose des pistes extrêmement intéressantes. Remontons un petit peu, ou allons un petit peu plutôt vers notre époque, en restant sur les traces du passé, et dans l'Antiquité, et je vais vous montrer un exemple remarquable de chimistes, où là, les chimistes sont nos précurseurs, si je puis dire, puisque déjà 3000 ans avant Jésus-Christ, ils avaient, sans le savoir, réalisé un phare égyptien pour soigner les maladies des yeux qui étaient très courantes au bord du Nil dans l'Antiquité égyptienne, en formant à partir d'oxyde de plomb et d'eau et de sel des cristaux de l'orionite. Il faut savoir que ces cristaux de l'orionite ont été retrouvés et ainsi identifiés dans des petites boîtes, boîtes retrouvées dans les tombes égyptiennes. Or, on sait que ce n'était pas un matériau naturel dans cette région, ce qui prouve qu'elle a été fabriquée par voie de ce qu'on appellerait aujourd'hui de la chimie douce, c'est-à-dire à température ambiante, en présence d'eau, dans l'eau. Et les chimistes de cette époque avaient même l'idée d'ajouter sans cesse de l'eau pour neutraliser la réaction qui, vous voyez, donne lieu à une base et donnerait lieu à un milieu beaucoup trop basique. Alors c'est rapporté par Pline l'Ancien, mais en fait c'est une technique beaucoup plus ancienne. Alors maintenant, je quitte le milieu interstellaire, je quitte le passé, je viens à l'actualité de l'espace et de la station spatiale. Évidemment, je ne saurais éviter d'en parler, puisque notre astronaute français favori, Thomas Pesquet, est retourné là-bas. La chimie dans l'espace est une chimie passionnante, puisqu'elle est libre de la pesanteur. On se situe en micro-pesanteur, ce qui permet de réaliser des expériences et surtout de comprendre notamment les phénomènes de cristallisation des solides. Les phénomènes de cristallisation des solides
qui sont sinon fortement influencés par des phénomènes de convection liés à des densités différentes des constituants et donc à la pesanteur. En micro-pesanteur, les chimistes, bon, d'une part, on connaît la flamme en micro-pesanteur qui est parfaitement symétrique sans phénomène de convection, mais l'important, une des expériences déterminantes en chimie du solide et pour comprendre les propriétés de solides qui sont étroitement liées à leur structure, les chimistes peuvent ainsi fabriquer ou faire croître des structures remarquables. Alors sachez que Thomas Pesquet fait réalise des expériences uniques. Des laboratoires de chimie en France réussissent à modéliser un tout petit peu ces conditions pour reproduire ces expériences. Je passe maintenant à notre Terre, cette planète bleue sur laquelle occupée à 70% par des océans. Évidemment, il est absolument essentiel de comprendre ce qui se passe à la surface des océans, à cette interface entre l'eau et l'atmosphère. Et en effet, que l'on voit souvent recouverte d'une infime couche on parle d'une mer d'huile, et c'est tout à fait vrai de parler de ça. Ces océans sont recouverts d'une infime couche de composés organiques qui résulte d'une activité des océans et de l'interaction avec l'atmosphère et notamment l'interaction avec le soleil, bien sûr. Donc c'est absolument à prendre en considération quand on étudie le changement global climatique, parce qu'il faut considérer que cette infime couche, mais répartie sur une surface immense de la Terre, conduit à l'oxydation des composés, bien sûr, par l'ozone de l'atmosphère, l'oxydation de composés, et donc est en partie responsable des changements de la composition atmosphérique. Maintenant, sachez que quand vous contemplerez une mer d'huile, vous pourrez vous poser quelques questions. J'en arrive, évidemment, tout naturellement, à ce qui s'évapore des océans et ce qui part dans des poussières, d'aérosols notamment. Ça part pas seulement des océans, ça part aussi de sources anthropogéniques, donc tous les polluants qui partent dans l'atmosphère et qui, en fait, sont récupérés sous forme d'aérosols, parce qu'ils sont combinés avec de l'eau, et récupérés dans les nuages. J'arrive maintenant, donc, dans mon voyage, je vous emmène maintenant dans les nuages. Les nuages, ça a été longtemps le domaine des dieux, on n'en parlait pas, on ne les étudiait pas. Depuis quelque temps, les chimistes les étudient avec raison. Ils ont en effet remarqué deux choses. D'abord que dans les nuages, il y a des composés chimiques, je vous ai dit d'où ils venaient, mais il y a aussi des bactéries. Et les bactéries contiennent des enzymes qui contribuent à mener des réactions sous rayonnement du soleil et qui transforment donc les polluants qui ont été évaporés dans les nuages en d'autres composés, souvent plus oxygénés et souvent moins toxiques parce qu'ils conduisent même parfois jusqu'à CO2. Alors on parle de CO2 polluant gaz à effet de serre, mais c'est aussi un composé quand même qui est assez peu toxique, en tout cas moins que certains qui s'évaporent de la Terre. Il y a aussi malheureusement un phénomène de précipitation qui renvoie les polluants sur la Terre. En tout cas, la chimie dans les nuages est devenue un thème de recherche essentiel, là encore, pour comprendre l'évolution de l'atmosphère et l'évolution de notre climat. Alors, j'ai beaucoup parlé de la nature, enfin de la Terre, des nuages, des océans. Maintenant, je m'approche un peu plus de la nature sur Terre. Et je voudrais vous montrer comment la chimie sait observer la nature, comment elle sait la comprendre, et limité. Notamment lorsque la nature, finalement, a des fonctions extrêmement vertueuses pour l'environnement. Et je vais vous montrer un exemple extraordinaire de recyclage des métaux par une plante. Alors, il s'agit en particulier de la plante Antilis vulneraria, qui est une plante qui a la faculté de concentrer les métaux dans ses feuilles. Alors ça, on a pu le constater, mais au début, pas l'expliquer. Grâce aux chimistes, maintenant, on sait comment ça marche. Et vous voyez que la démonstration sur les photos de droite, on a un bassin qui est en haut extrêmement pollué par des métaux très toxiques, le zinc, le fer, le plomb, le cadmium, et qui, grâce aux plantes, reprend une couleur normale et saine. Vous voyez à quelle échelle ça peut marcher. Alors, les chimistes, évidemment, ne sont pas contentés de l'observer, mais ils ont essayé de comprendre. Donc, cette plante, est-ce une folie végétale ou une légumineuse hors norme ? Eh bien, je vais vous expliquer.
Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. En fait, cette plante, elle a dans ses racines une petite bactérie qui aide aussi à la chimie. C'est-à-dire que c'est une bactérie qui transforme l'azote de l'air, en ammonium et qui, hop, miraculeusement, sert d'engrais pour faire pousser la plante. C'est pour ça que cette plante qui permet de concentrer les métaux au bord de ses feuilles, parce qu'elle absorbe les engrais, tout ce qui est dans le sol, elle vit dans cet environnement extrêmement hostile. Sinon, on ne comprendrait pas comment elle vit dans cet environnement hostile. Elle vit dans cet environnement hostile grâce à cette réaction de formation d'engrais permise par la bactérie qui est elle-même reconnue par les radicelles ou les, je ne sais pas très bien comment ça s'appelle, les racines de la plante. Et donc là, je voudrais vous montrer comment on assiste à une remarquable synergie entre la nature, l'écologie et la chimie. Je trouve que c'est un exemple qui change un peu notre regard sur la chimie. Un autre exemple où la chimie sait, je crois, maintenant on comprend et sait mimer la nature qui a une faculté remarquable de capture et de stockage d'énergie. Là encore, je parle de plantes, des plantes qui savent capturer le CO2 et, sous la lumière du soleil, réagir avec de l'eau pour le transformer en molécules carbonées plus complexes, plus oxygénées, qui forment tout simplement la biomasse, qui forment la plante elle-même. Et donc, en fait, c'est un réservoir d'énergie. Les plantes savent transformer l'énergie solaire en énergie chimique. Et pourquoi les chimistes ne sauraient-ils pas le faire? Et donc, voici donc ici le schéma d'un système photosynthétique artificiel où vous avez en haut à gauche un panneau solaire qui sert, c'est la première étape, hein, qui sert à récupérer l'énergie solaire, ce qui est la source d'énergie. Hein, il faut bien une source d'énergie. Comme pour la plante, il faut du soleil pour réaliser une réaction de photosynthèse. La source d'énergie est transformée en énergie électrique grâce à un matériau semi-conducteur, encore une fois élaboré par des chimistes. Et vous voyez que la source d'énergie, l'énergie électrique permet d'activer un matériau qui est, lui, catalytique et qui va transformer le CO2 en... Alors là, il y a directement une transformation en carburant, disons le CO2 en molécules carbonées plus complexes qui pourraient un jour être transformées en carburant. Donc vous voyez tout le cycle ici. Et je crois que là encore, on doit se féliciter de l'ingéniosité des chimistes qui reproduisent, qui savent, si vous mimez, la fantastique capacité des plantes à stocker l'énergie. Alors, je termine par un exemple sur cet aspect environnement et avec ce que l'on fait aujourd'hui de nos déchets. On est dans une époque où on assiste à l'épuisement des énergies fossiles. Il y a un accroissement considérable des déchets. Et aujourd'hui, les chimistes savent transformer les déchets et faire des déchets une ressource. Les chimistes doivent être acteurs, d'ailleurs, de ça et du tri. Nous devons tous être acteurs du tri de nos déchets pour leur récupération et leur réutilisation. Ceci n'est qu'un exemple de l'extraction du limonène pour en faire des solvants. Le limonène, c'est une molécule contenue dans les écorces d'orange. Sachez que quand on fait un litre de jus d'orange, on a 4 kg d'écorce, 4 kg de déchets d'écorce. Et donc aujourd'hui, on sait récupérer et en faire des solvants. On sait aussi, à partir de déchets de paille, récupérer des sucres. À partir de plants de type tournesol, récupérer des alcools gras. Et faire réagir ces deux ensemble par une réaction qu'on appelle glycosylation, peu importe. En tout cas, on sait faire réagir ces deux types de déchets pour donner des molécules aux propriétés moussantes extrêmement intéressantes pour faire des tensioactifs, notamment pour de nombreux composés pour le bien-être. Et là, tout ça, je vous ai parlé de récupération de déchets, je vous ai parlé de stockage d'énergie. Je crois qu'on ne pourrait pas faire tout ça sans des experts de chimie en matériaux. Et je vais donner pour cela la parole à David pour nous parler de ses recherches dans le domaine des matériaux. Merci Claire-Marie. Donc effectivement, je vais vous parler un peu plus d'une thématique des nouveaux matériaux.
Alors d'abord, et des matériaux poreux et nanoporeux dont les propriétés sont conférées par la taille des pores. Alors, vous connaissez peut-être les zéolithes. Les zéolithes, ce sont des cristaux naturels que vous retrouvez dans les roches volcaniques. Vous voyez des magnifiques photos de cristaux, on dirait un petit peu des diamants. Et si on pouvait rentrer dans la matière par un microscope et voyager à l'intérieur, ce qu'on verrait, c'est un petit peu voilà ceci. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Donc, où chaque solide ici, chaque coin serait des atomes. Et puis, vous voyez qu'en fait, c'est très, très, très poreux. Donc, toutes les cavités sont de l'ordre d'un nanomètre et donc peuvent piéger une dizaine de molécules ou quelques molécules. Donc, voilà, comme ceci. Donc, c'est là une représentation de l'intérieur de ces cristaux. Alors, vous connaissez peut-être pas les zéolithes, mais en fait, vous les utilisez dans votre vie quotidienne, notamment dans les lessives où ça piège les ions calcium et ça permet de faire mousser la lessive, notamment dans les litières de chat parce que ça capte les molécules qui sont responsables des mauvaises odeurs. Ça sert à notamment purifier l'eau radioactive due à l'accident de Fukushima. Et ça sert encore aujourd'hui à Thomas Pesquet qui, dans l'espace, a respiré de l'air qui est purifié par des zéolithes. Donc vous voyez des tas de différentes applications de stockage, de purification de l'eau, de l'air. Et les chimistes se sont intéressés à ces matériaux à cause de leurs propriétés et ont essayé de limiter et d'en faire de nouveaux matériaux. Donc je vais vous parler des matériaux un peu nouveaux qui sont ce qu'on appelle des MOF et qui sont fabriqués d'un agencement de petits assemblages de métaux type zinc, cuivre avec d'autres qu'on appelle des petits monomères de plastique. Et vous voyez que ces agencements forment également un réseau poreux dont la taille des pores est très très calibrée, de dimensions toujours identiques et d'environ de 1 ou 2 nanomètres, donc toujours de la taille de dimension de molécules. Et si, de façon un peu remarquable et étonnante, si on pouvait mesurer avec un mètre la surface de chaque cavité, eh bien, pour 1 gramme de ces solides, on obtiendrait environ 3000 mètres carrés, soit un demi-terrain de foot. Et c'est sur ces surfaces que vont s'absorber les molécules. Donc, on va revenir à notre petite expérience. Donc, merci d'avoir participé au chat. Je peux voir les quelques mots-clés que vous avez écrit dans le chat. Donc effectivement, en mettant de l'eau chaude sur votre bras et en agitant, vous avez eu une sensation de fraîcheur, de froid, et donc même de picotement, qui est en fait la chair de poule que vous pouvez voir sur l'image. Alors pourquoi ce phénomène? C'est quand vous avez de l'eau liquide et qui s'évapore, qui passe en phase gaz, eh bien ça demande de l'énergie. Et c'est votre corps, avec la chaleur de votre corps, qui fournit à l'eau liquide la chaleur pour s'évaporer. Et ce faisant, votre corps se refroidit. Et vous pouvez même aller plus loin dans l'expérience. Plus l'eau va être chaude et plus vous allez remuer le bras, plus vous allez avoir une sensation de fraîcheur. Donc, de l'eau chaude, oui, mais pour faire du froid. Et donc, vous allez voir en fait pourquoi l'évaporation de l'eau, ou de quelle façon on peut utiliser l'évaporation de l'eau pour des applications. Un deuxième phénomène qui va nous expliquer après comment on peut mettre ces matériaux en œuvre, c'est l'expérience un petit peu de l'éponge. Donc une éponge, un matériau poreux, avec des très grands pores cette fois-ci. Si vous mettez évidemment l'éponge en contact avec de l'eau liquide, eh bien l'eau va remonter l'éponge jusqu'à remplir les pores, les trous, et l'ensemble des cavités vont être remplies par on dit capillarité. Donc, et pour les MOF, ça va être pareil, mais de façon encore plus exacerbée, c'est-à-dire que les MOF aiment tellement que leur cavité soit remplie d'eau, c'est qu'ils vont
favoriser l'évaporation de l'eau. Donc ce que vous voyez là, c'est une petite expérience d'un collègue chercheur. Donc dans un flacon, il y a de l'eau liquide, et dans l'autre flacon, il y a un MOF qui est très sec. Et donc il va vouloir absorber de l'eau, et ce faisant, il va évaporer l'eau qui est dans l'autre flacon. Et comme l'évaporation crée de la fraîcheur, du froid, vous allez voir ici par une caméra thermique l'apparition de bleu, c'est-à-dire le froid se crée. Comment on peut mettre en œuvre cette propriété? Eh bien, tout simplement, on peut penser utiliser cette propriété pour climatiser des espaces, des chambres, des salons, des bureaux, de façon énergétiquement très, très propre. Hein. Il ne suffit pas de fournir ici d'énergie extérieure. On peut aussi penser à produire de l'eau dans un endroit finalement assez sec. Dans votre salon, peut-être une trentaine de mètres carrés, vous avez environ un demi-litre, un litre d'eau qui est vaporisé dans votre atmosphère. Et si vous mettrez quelques grammes de MOF, vous allez tout concentrer cette eau et d'avoir de l'eau liquide dans ses pores qu'on va pouvoir régénérer. Vous pouvez boire même après. On peut également penser à dessaler de l'eau de mer pour irriguer des cultures en climat méditerranéen, par exemple. Et donc, vous voyez que une certaine famille de matériaux peut trouver mille et une applications dans notre vie courante et répondre à des enjeux de société forts, tels que l'eau potable, l'irrigation des cultures et la dépollution de l'air, par exemple. Voilà, Claire-Marie. Merci, David, pour ces exemples impressionnant. Et je continue et j'aborde un autre domaine, enfin qui est même bien lié à ce qu'on vient de voir, qui est donc l'enjeu de créer et de stocker l'énergie auquel les chimistes font face aussi. Premièrement, je vais vous dire que pas de chimie, pas de batterie, c'est un peu provocateur, mais c'est quand même la réalité. On a besoin aujourd'hui de batteries pour stocker l'énergie, parce que l'énergie, et notamment les énergies nouvelles, renouvelables, on les a toujours quand on n'en a pas besoin. La nuit, ou quand il fait trop chaud, ou quand il fait froid, on n'en a pas. Donc les chimistes ont dû se mettre à l'œuvre pour mettre en place des solutions de stockage. Donc les batteries classiques, on les connaissait depuis longtemps. C'était insuffisant. Aujourd'hui, la révolution a été les batteries au lithium, pour lesquelles d'ailleurs le prix Nobel a été attribué l'année dernière. Ce sont des batteries qui permettent en fait un échange d'ions-lithium. La batterie, c'est un système électrochimique qui convertit une énergie électrique en énergie chimique et qui permet de la restituer. C'est un système réversible. Dans le cas des batteries au lithium, on a un électrolyte dans lequel peuvent passer les ions lithium, mais ne peuvent pas passer les électrons. C'est pourquoi les électrons sont forcés de passer à l'extérieur et de rendre donc un courant. Lors de la charge, les ions lithium vont dans une électrode au graphite qui donc insère les ions lithium. Les deux matériaux sont des matériaux qui permettent d'insérer des ions lithium. Et de façon naturelle, lors de la décharge de la batterie, les ions lithium rejoignent l'oxyde de cobalt qui est représenté ici, donc les feuillets de l'électrode. Mais le problème de ces batteries, qui ont marché extrêmement bien et qui notamment ont permis d'utiliser des différences de potentiel élevées, bien plus élevées que celles des batteries qui utilisent l'eau, qui sont limitées donc par la réaction d'électrolyse de l'eau, le problème c'est que le lithium, comme on le sait, est un métal peu abondant, mal réparti sur Terre et dont il faut essayer de trouver une alternative. La chimie est là pour innover et trouver des alternatives. Aujourd'hui, des batteries au sodium marchent extrêmement bien. On le vend en poupe et les chimistes travaillent beaucoup pour les progrès dans ce domaine de stockage de l'énergie, notamment grâce aux batteries au sodium. Un autre exemple, cette fois-ci, alors qui n'est pas un exemple de stockage d'énergie, qui est un exemple de production en continu d'énergie grâce, on pourrait difficilement l'imaginer, grâce à notre sueur. La raison est la suivante. Dans la sueur sont contenus des composés, et notamment ce que vous voyez ici, des composés, le lactate, des composés qui peuvent être oxydés, pendant qu'un autre composé, l'oxygène, peut être réduit. Alors, quoi de plus simple pour un chimiste d'imaginer deux points sur deux dispositifs, si je puis dire,
chacun constitué d'un polymère conducteur que l'on met sur la peau. Vous voyez, c'est représenté en noir, les petites grilles noires là sur la photo. Ce sont des polymères flexibles, donc ils peuvent être collés sur la peau. Sur le polymère de gauche, on installe une enzyme, c'est-à-dire un petit réacteur chimique qui permet de transformer le lactate contenu dans notre sueur en un autre composé et donc ainsi fournir des électrons. Et de l'autre côté, on aura une autre enzyme, un autre petit réacteur chimique que l'on greffe toujours sur le même type de polymère flexible et qui lui permettra de capter les électrons et de transformer l'oxygène de l'air en eau. Donc vous voyez, quoi de plus simple, on a deux petits réacteurs chimiques branchés sur notre peau et qui sont alimentés par le lactate contenu dans notre sueur. Et ainsi, les chimistes ont pu démontrer pouvoir faire fonctionner une LED sur le bras d'un sportif. Ça donne beaucoup d'espoir, notamment pour tout ce qui est dispositif implanté et qui requiert une alimentation électrique. Maintenant, je passe à un autre domaine de la chimie qui nous intéresse tous, qui est l'intérêt de la chimie pour diagnostiquer et soigner. Et je ne peux évidemment pas aborder ce thème sans parler de Pierre Potier, qui était un fameux chimiste au CNRS, fameux d'abord par ses découvertes et aussi par son action d'innovation. Il a eu la médaille d'or du CNRS d'ailleurs et il a établi des relations extrêmement fructueuses entre CNRS et différents industriels. Et je crois qu'il a vraiment révolutionné la façon qu'a le CNRS de travailler avec l'industrie et notamment dans le domaine des médicaments. Alors je reviens un petit peu à la chimie et je cite un des exemples de ses découvertes qui a été la mise en évidence des propriétés qui soignent le cancer, d'un extrait d'écorce d'if du Pacifique, qui a des propriétés donc cytotoxiques, donc pour tuer certaines cellules, à condition de bien cibler. Avec un petit problème, c'est que si on extrait d'écorce d'if les médicaments, il y en a très peu, et la quantité donc de médicaments pouvant être obtenu est extrêmement faible. Pour pallier cet inconvénient, Pierre Potier a mis en évidence une possible synthèse d'un composé qui ressemble à celui qui était extrait de l'écorce d'if. Vous voyez en haut et en bas à droite la structure naturelle et la structure synthétique, celle d'en dessous synthétique multi-étape, bien sûr, une synthèse compliquée, mais qui a été découverte et mise en œuvre par Pierre Potier. Et vous voyez qu'on a une structure très très similaire qui s'est révélée encore plus active contre le cancer. Et sachez que cet anticancéreux, appelé le Taxotere, est largement utilisé encore aujourd'hui dans les hôpitaux. C'est une vraie réussite scientifique de la chimie dans ce domaine. La chimie, pour bien soigner, doit voir dans le corps humain, c'est-à-dire doit pouvoir identifier où se trouvent les pathologies. Pour cela, une technique largement utilisée est la technique d'imagerie par résonance magnétique. Vous en avez peut-être, hélas, déjà expérimenté l'utilisation. C'est une technique qui repose sur les propriétés magnétiques de l'eau, et en particulier du proton. C'est une propriété, une technique qui donc mesure, si je puis dire, la mobilité de l'eau dans les tissus et qui est amplifiée par la présence de composés paramagnétiques, notamment dans le sang. Et donc, on pourrait imaginer on peut voir tout le corps humain, si je puis dire. On a de l'eau partout dans le corps humain, mais on a une concentration d'eau différente aux abords de certaines pathologies, enfin de certains points malades, de certaines tumeurs ou de certaines fibroses. Et pour voir encore mieux, les chimistes ont imaginé deux artifices, si je puis dire, enfin, ou deux dispositifs extrêmement intéressants. Premièrement, l'utilisation du gadolinium. Le gadolinium, c'est un molécule qui augmente les propriétés magnétiques de l'eau à son voisinage. Et donc, évidemment, ça augmente les propriétés de contraste de l'IRM. Deuxièmement, évidemment, on ne veut pas augmenter les propriétés de contraste partout, mais on veut les augmenter au voisinage de l'élément malade. Et donc, pour cela, il faut cibler. Et pour cibler, eh bien,
Je prends l'exemple d'une fibrose. Une fibrose se caractérise notamment par l'oxydation du collagène au voisinage de la fibrose. Et les chimistes ont imaginé une molécule, l'oxyamine, qui a comme propriété de s'accrocher au collagène oxydé. Et donc là, on a tout gagné. On cible et on a un amplificateur de signal. Et c'est ainsi qu'on peut passer de l'image en bas à droite, de l'image de gauche. On voit assez mal la localisation de la fibrose, même pas du tout. Et à droite, on la voit extrêmement bien grâce à la cible et à l'amplificateur de signal. Je termine cette partie sur la santé par un exemple extraordinaire qui a permis d'ailleurs à son auteur d'obtenir la médaille de l'innovation il y a quelques années au CNRS et qui aujourd'hui nous permet de dire que la chimie sait réparer un squelette par impression 3D. Alors c'est un peu mystérieux tout ça, mais ça repose sur deux choses. D'abord, ça repose, prenons l'exemple du crâne, ça repose sur l'analyse d'une zone endommagée du crâne. Donc une analyse qu'on peut faire de façon 3D, extrêmement, extrêmement précise, une visualisation dans toutes les dimensions. Et puis, une fois qu'on a fait ça, le chimiste intervient en faisant, si je puis dire, un morceau d'os synthétique, parce qu'il sait allier des nanoparticules de céramique, qui ont la constitution proche d'un os, et une résine polymère photodurcissante. Alors pourquoi ? Parce qu'ainsi, on pourra donc avoir ces particules d'os au sein de la résine, ça on sait faire, et puis on saura avec un laser initier la polymérisation de cette résine osseuse, si je puis dire. C'est fait par impression 3D, c'est-à-dire que c'est fait couche par couche, avec un contrôle par laser des dimensions qui ont été introduites et qui sont celles de la partie d'os manquant sur le crâne. On peut ainsi réparer des os, des crânes de façon remarquable. Je termine avec quelques éléments sur la chimie du quotidien, celle qui nous concerne tous les jours. Alors, peut-être pas tous les jours, parce que je ne devrais pas inciter à boire, mais quand même, quelquefois, on boit un bon vin et on est déçu parce qu'on perçoit un désagréable goût de bouchon. Les chimistes ont identifié que c'était dû à une molécule qui est contenue dans les bouchons de liège. Une molécule, vous voyez, trichlorée, là, le TCA, trichloroanisole, je crois. Et donc, il s'agit de capter pour enlever ce goût de bouchon. Alors, pour ça, rien de mieux que de faire un matériau que David connaît peut-être, un type de matériau poreux, bien sûr, et en plus, dont la formule chimique attire, permet de lier le TCA en lui. Alors, il faut dire aussi que ce matériau est un matériau fluorescent, et donc, ça permet de fluorescent bleu. Et ça permet de voir qu'en l'absence ou en présence, on peut détecter finalement si oui ou non, on a enlevé le TCA du bouchon, du vin grâce au changement de fluorescence de ce TCA. Enfin, je termine par... c'est un peu le quotidien aussi, vous allez voir. La chimie imite encore la nature quand elle voit dans la nature des surfaces de fleurs de lotus sur lesquelles l'eau ne s'étale pas. Si elle voit le gecko qui lui est capable de s'accrocher sur toute surface, même des surfaces verticales, elle sait l'imiter et la chimie sait imiter la nature. Par exemple, en prenant un tissu de polyéthylène et en le modifiant chimiquement grâce à des polymères qui sont ici formés directement sur la surface, étape par étape, on initie la première couche de monomère d'un composé précurseur, enfin d'un composé qui va être précurseur de polymérisation. Et puis ainsi, on crée une couche sur le tissu de polymère extrêmement fine qui lui confère des propriétés qu'on appelle ultra-hydrophobes. Vous voyez à gauche une goutte d'eau qui s'étale sur le tissu non traité, et à droite, des gouttes au contraire qui restent presque sphériques sur un tissu traité. C'est bien la chimie du quotidien qui nous aide aujourd'hui pour cela, et pour faire tout ce qu'on appelle les surfaces anti-tâches, résistantes à l'eau, etc. Enfin, j'aborde un sujet un petit peu plus ludique, que j'ai intitulé donc « Délicieuse chimie ». On dit parfois que la chimie, c'est de la cuisine, ça nous chiffonne un petit peu. En revanche, moi, je peux vous dire aussi que la cuisine, c'est de la chimie. Et c'est notamment, on le comprend quand on voit que
pour éviter qu'un avocat noircisse, on met du citron, pour faire une mayonnaise, tout ça, je vais vous expliquer un tout petit peu comment la chimie intervient. Une mayonnaise réussie ou ratée, c'est la différence entre une émulsion partant d'une phase liquide, d'une phase aqueuse extrêmement en faible quantité, hein, un peu de jaune d'œuf, un peu de vinaigre, dans lequel on ajoute de l'huile. Et c'est magique, on ajoute un liquide, de l'huile, à une petite concentration de phase aqueuse et on en fait un solide. Ça, c'est une mayonnaise réussie, tout simplement parce qu'on a fait une émulsion dans laquelle les gouttes d'huile ne se mélangent pas à l'eau, tout simplement parce que chimiquement, il y a des surfactants qui empêchent le mélange. Et puis, physiquement, il y a des propriétés, évidemment, qui sont liées au phénomène d'émulsion. Et on voit bien qu'à droite, ça ne marche pas toujours et que malheureusement, et vous l'avez peut-être expérimenté, en tout cas moi je l'ai expérimenté, parfois on a le contraire, on a une émulsion d'huile, enfin d'eau plutôt dans l'huile, c'est pas du tout une émulsion et c'est pas du tout une bonne mayonnaise. Alors, la chimie, la cuisine, certains s'y sont beaucoup penchés, comme Berthelot à un moment a même dit que finalement les composés de la cuisine, tout ce qu'on mangeait, c'était du carbone, c'est rien de plus que du carbone, de l'oxygène, de l'azote, et que bientôt, il avait même prévu que bientôt, on aurait des petites pastilles de carbone, d'azote, des petites pastilles végétales, et puis on pourrait se passer de se mettre à table. Alors, quelle tristesse, heureusement, d'autres ont quand même... prôner le fait que la cuisine, c'était un peu de chimie et c'était aussi de l'art et qu'il fallait rester en essayant de combiner les deux pour continuer à éprouver le plaisir de la cuisine. Et je ne résiste pas à vous montrer cette image de mousse de mangue qui est le résultat, donc, encore une fois, d'émulsion, de délicieuses émulsions, une dispersion de, cette fois-ci, de bulles de protoxyde d'azote dans un coulis de mangue auquel on ajoute un petit peu de gélatine pour faire tenir. Voilà, bon appétit. Je termine avec quelques exemples de chimistes inattendus. Je vous ai dit qu'en début de ma conférence qu'on avait de la chimie et des grandes découvertes qui étaient inattendues, surprenantes et extraordinaires pour notre quotidien et notre futur. Mais on a aussi, n'oublions pas, quelques chimistes inattendus, des personnages dont vous verrez quelques biographies dans ce livre qui sont surprenants et passionnants. Je n'aurai le temps que de parler que de deux. Je parlerai d'Angela Merkel, que tout le monde connaît, qui est allée de la chimie à la chancellerie. On ne sait pas toujours, mais elle était docteur en chimie. En 86, elle a été docteur en chimie. Elle était experte en chimie théorique sur le mécanisme, notamment, elle a travaillé sur le mécanisme de réaction unimoléculaire et le calcul des cinétiques. Et puis, elle n'a jamais oublié la chimie. Enfin, en tout cas, elle dit avoir toujours été imprégnée par le souci de rigueur de la science. Et certains diront que science et politique font bon ménage et qu'il est bon que les politiques gardent cette rigueur de scientifique. Sachez qu'Angela Merkel a été toujours très sensible à un environnement scientifique. Et écoutons ce discours à Harvard en 2019. On la voit là en toge d'ailleurs, c'est une photo lors de son discours. Vous vous rendez compte qu'elle a dit qu'il était nécessaire que la mondialisation apporte des réponses à la question des épidémies et pandémies. C'était en 2019. Vous voyez comme c'était précurseur. Sachez aussi qu'elle a été Angela Merkel était aussi très préoccupée par les problèmes d'environnement. Elle était d'ailleurs ministre de l'Environnement avant d'être chancelière. Sa vie, son parcours sont décrits par un de ses anciens collègues dans le livre. C'est très émouvant. Et puis enfin, je voudrais vous poser une petite devinette et vous faire écouter cette petite nocturne. Par un musicien que l'on connaît bien, enfin dont on connaît bien le nom en tout cas, mais en fait qui était aussi chimiste, qui a beaucoup travaillé sur des réactions d'aldéhyde et qui a aussi mis en évidence cette réaction du brome sur l'acétate d'argent pour former un bromure d'argent. Ses maîtres en chimie considéraient qu'il s'adonnait beaucoup trop à la musique pour être un bon chimiste et pourtant il était déjà un bon chimiste. Eh bien, cet homme extraordinaire qui a mené ses deux carrières en parallèle, c'est Alexandre Borodine. Voilà, je termine avec un immense merci
Merci, bien sûr, aux 85 auteurs. 85, il n'y a que 50 histoires, mais 85 parce que parfois, ils se sont mis à plusieurs pour rédiger leur chapitre. Merci à Jacques Madenino, directeur de l'Institut de chimie du CNRS, qui a toujours soutenu cette initiative et nous a beaucoup aidés. À Olivier Parizel et Francis Tessandier, professeurs et directeurs de recherche au CNRS, qui ont beaucoup, beaucoup contribué à la lecture, à la réécriture, à la coordination de cet ouvrage. Merci au service communication de la délégation CNRS Rhône-Auvergne. Merci à toute l'équipe de services de communication de l'Institut de chimie qui nous soutient tant dans cette opération, parce que maintenant nous voulons vraiment communiquer sur ce livre pour redonner à la chimie la place qu'elle mérite. Merci à l'équipe d'ici qui nous a d'abord permis de visiter ce musée magnifique des concluances. Bien sûr, j'aimerais bien voir cette salle magnifique remplie, mais bon, ce sera pour une autre fois. En tout cas, nous avons eu une chance extraordinaire de visiter le musée. Et je vous encourage à le faire aussi. Et puis, je vous encourage à lire cet ouvrage, un livre qui vous offrira un voyage inattendu. Nous vous en avons donné quelques exemples, un petit aperçu. Un voyage au cœur de la matière et de ses transformations, car c'est ça le rôle de la chimie, c'est la transformation de la matière. Merci beaucoup. Merci à vous, Claire-Marie Pradier. Je crois que je n'ai jamais vu autant de sujets en 45 minutes. Ah oui, oui, c'était peut-être parfois un peu survolé. Une énorme découverte. Alors, mais il faut lire maintenant. On a envie de creuser. Ah, voilà. Très bien. Alors, vous avez suivi cette conférence. N'hésitez pas à réagir sur le chat. Ou en laissant vos commentaires ou vos questions. Alors, moi, il y en a une qui me brûle quand même les lèvres. Vous avez parlé de la cuisine qui est un art, mais pour vous, alors David Farussin, Claire-Marie Paradier, la chimie, c'est un art ou pas? Parce qu'on voit surtout l'industrie, nous. Ah oui. Question difficile. Je pense qu'il y a une part d'inspiration quand même. Alors l'inspiration aussi, les artistes s'inspirent beaucoup de la nature. On a vu tout à l'heure les photos des geckos, les fleurs de lotus. Et donc c'est les chimistes, un peu aussi comme les artistes, regardent la nature, s'en inspirent, et disent comment je pourrais faire comme ou imiter. Et souvent ils essaient de faire la même chose, mais des fois ils prennent des moyens très détournés pour arriver aux mêmes objectifs. Donc, est-ce qu'on peut dire que, comme les mathématiciens, j'en ai entendu dire, ça c'est beau, c'est de belles mathématiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la belle chimie? Ah oui. Et c'est quoi pour un chimiste une belle chimie? C'est du genre faire super simple, comme Mozart, quelque chose qui en fait est super compliqué? Oui, je pense que ça c'est un des aspects. En effet, la belle chimie, c'est de la chimie, c'est réaliser quelque chose, c'est transformer la matière quand on s'en donne l'objectif, de façon la plus simple possible et la plus aujourd'hui la plus économique en énergie. Et ça, c'est, on peut dire que c'est de la belle chimie. Mais il y a aussi de la chimie très compliquée qui est très belle, parce qu'avant tout, l'objectif des chimistes, c'est de répondre à des questions que nous pose la nature, que nous pose l'environnement, que nous pose le progrès. Et répondre à ces questions-là, c'est pas toujours simple. Mais quand on a réussi, on peut dire qu'on a fait de la belle chimie. Oui. Et réussir dans la recherche, je pense que c'est un sentiment un petit peu particulier lorsqu'on arrive à avancer sur des connaissances. Je relais des témoignages en ligne. Merci à tous les auteurs pour remettre la chimie à une place qu'elle aurait dû toujours avoir. Alors. Autre question, l'utilisation de la chimie a pu poser problème. On a eu des nouveaux matériaux qui maintenant sont interdits. On a eu ça a pu créer problème. Est-ce que les chimistes qui travaillent sur la connaissance, on va dire juste la connaissance, est-ce qu'il y a une évolution des mentalités de cette communauté vis-à-vis de ce genre d'expérience? Oui, alors bien sûr qu'il y a une évolution. Je disais tout à l'heure, et je pense que David pourrait le dire, il y a une prise en compte notamment des grands principes de la chimie verte qui ne datent pas d'hier, mais qui sont vraiment aujourd'hui beaucoup mieux pris en compte pour une économie de solvants, pour une diminution du nombre des étapes, pour une chimie plus douce, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à des températures moins élevées. Bref, tout ça, c'est une prise de conscience. Mais ce que je pense que c'est important aussi de dire, c'est que...
je ne sais plus, vous avez dit la chimie a été mal utilisée, mais les chimistes, les scientifiques, ce n'est pas eux qui ont utilisé la chimie. Ils ont apporté des réponses, des connaissances. Après, c'était indispensable à un moment d'avoir des plastiques, la société évoluait, il fallait nourrir le monde, et on en a tous beaucoup profité. Maintenant, si parfois ça a été mal utilisé ou trop utilisé, les chimistes, les scientifiques, eux, n'y sont pour rien. Aujourd'hui, en revanche, ils apportent des réponses pour remédier à des problèmes que la société rencontre, des problèmes de pollution, des problèmes d'énergie, bien sûr. Et justement, une question là sur le chat, comment la chimie peut-elle participer au recyclage de ce qu'elle a elle-même créé ? L'exemple des plastiques, par exemple. On est au cœur de votre réponse, là, un petit peu. Hein. Oui, c'est un peu ma réponse. C'est-à-dire que, bien sûr, la chimie, les chimistes ont inventé les plastiques, mais on en avait besoin à cette époque-là. Hein. La société en avait besoin, on en a tous profité, je le redis. Et on est les utilisateurs. On est les utilisateurs, bien évidemment. Alors qu'elle a créé, elle a trouvé les réactions, comment faire, après ça a été utilisé. Bon. On pourrait dire la même chose des physiciens et de la bombe atomique. Est-ce qu'on peut reprocher aux physiciens d'avoir créé la bombe atomique ? Sans doute pas, quand même. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, les connaissances ont évolué et les chimistes font des plastiques autrement, parce que les connaissances ont évolué. On fait des plastiques biodégradables où on sait mimer la nature pour casser certaines liaisons et donc détruire des polluants. Donc la chimie progresse toujours, la société va parfois trop vite dans l'utilisation des connaissances. Un autre témoignage, merci beaucoup, hein, très intéressant, car la chimie a souvent mauvaise presse et pourtant elle va apporter des solutions aux grands défis de notre société. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. On a découvert pas mal de découvertes. Alors ce qui est passionnant, c'est qu'on voit que tout se passe maintenant. Enfin, il y a une partie historique sur des choses sur l'évolution des connaissances en chimie, mais on vit un peu une époque formidable. Il faut vraiment qu'on s'intéresse à ça, parce que il ne faut pas que ça nous échappe, nous, consommateurs, hein, et curieux aussi de science. Oui, absolument. Je pense qu'on vit une époque formidable. Je pense que la chimie est mal connue, et en particulier les recherches menées dans tous nos laboratoires en France sont sur... j'ai présenté quelques thèmes, il y en a d'autres. C'est extraordinaire, et je pense que ce livre doit être l'occasion de redonner à la chimie la place qu'elle mérite, et de redonner à la science, à la recherche en chimie, aussi la place qu'elle mérite et la reconnaissance qu'elle n'a pas toujours. Alors, c'est un des objectifs de cet ouvrage. Signalons peut-être, vu qu'on est à Lyon, une actualité qui se déroule actuellement dans le centre de vaccination, le vaccinodrome du Palais des Sports, avec un test en cours, hein, non pas sur de la vaccination, mais sur une nouvelle forme diagnostique, oui, très actuellement bien expérimentée. Vous avez le sujet en tête, vous voulez en parler un petit peu ? Moi, je l'ai. C'est un collègue d'une équipe de l'IRS Lyon, donc un collègue de laboratoire, qui ont mis au point alors un système d'analyse de gaz par spectrométrie. Et donc, quand les gens qui veulent se faire diagnostiquer donc vont à Lyon, je pense au centre Gerland, ils peuvent à la fois, bien sûr, faire leur test PCR, mais aussi souffler dans cette machine qui va enregistrer un signal. Et puis, donc, mes collègues vont analyser et essayer de voir si, juste en soufflant dans un tube, finalement, ils vont arriver à diagnostiquer en quelques secondes la présence alors de métabolismes qui vont signaler la présence du virus. Donc ça peut être une méthode extrêmement rapide. Donc si ça marche, aussi simple qu'un éthylotest en quelques secondes. Absolument. Ouais. Voilà. Je précise qu'un des chapitres du livre relate cette très belle chimie, pour le coup. Donc si vous voulez participer un peu à cette évolution des connaissances, n'hésitez pas à aller au Palais des Sports, hein, actuellement, c'est ouvert, dans le hall des tests PCR, pour coupler avec un test, un éthylotest Covid, on va dire. Ça alimentera nos données. Si ça marche, là encore, on est sur quelque chose de merveilleux. C'est des diagnostics nouvelle formule, hein, pas seulement pour la Covid, peut-être pour d'autres maladies. Non, pas seulement pour la Covid. Hein, d'autres ont montré que d'autres maladies, en effet, pouvaient être identifiées grâce aux métabolites, c'est-à-dire grâce à ce qu'on excrète. Comment la chimie pourrait aider les malades du Covid longs, souffrants? Alors, je pense que c'est agnosie, hein, et anosmie. Donc, en fait, les personnes qui perdent l'odorat ou qui ont une réduction du goût et de l'odorat.
Ah, alors. On va rêver. Hein, oui, rêvons. On va rêver. Les chimistes essayent de reproduire les capteurs de l'odorat, donc des petites molécules sensorielles, etc. Et donc, essayent de faire ce qu'on appelle un nez artificiel et de reconnaître certaines odeurs de façon avec des électrodes, avec un dispositif chimique. Donc, on pourrait vous dire, par exemple, ben là, ça sent, je ne sais pas, l'ail, là, ça sent la carotte, mais de façon un peu détournée, on va dire. Alors, désolé, je suis vraiment chauvin. Je sais que tout le monde n'est pas de Lyon hein, dans cette conférence, mais là encore, Lyon, merveilleuse équipe là-dedans, hein, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, justement, avec ces projets un peu fous de faire des nez artificiels. Donc, bien joué. Cette réponse-là. Alors, on arrive à la fin. Peut-être le souhait d'un dernier petit mot de votre part, un mot de la fin. Oh, je pense qu'il faut absolument acheter le livre. Hein. Non, moi, je n'oserais pas dire ça. Mais moi, je voudrais dire, en effet, je pense que c'est un livre agréable à lire pour un public avisé, curieux surtout, curieux de science et d'innovation, pas forcément chimiste, quoique les chimistes peuvent le lire. Et je pense que si on ainsi suscite quelques vocations de chimistes, on aura vraiment atteint notre but. Oui, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Les jeunes, de votre enthousiasme. Absolument. Et vous voyez que la chimie ne fait pas que polluer. Elle peut répondre aux enjeux aujourd'hui de notre société. Et en plus, pour les étudiants, pour votre prochain déménagement, 3000 m² d'espace de stockage dans 1 gramme, je pense que ça peut vous intéresser. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je vous donne rendez-vous à un prochain rendez-vous du Musée des Confluences. Vous pourrez retrouver cette conférence donc en replay hein, sur le compte Facebook et YouTube du musée. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci aux intervenants. Merci à vous. Merci à vous tous et bonne lecture.